J'allais dire bon matin, mais il est 14h32. Je bois encore quand même mon café du matin avec vous. Donc, j'ai travaillé cet après-midi, tout est beau, fait que bon, break miss jour 5. Ça va bien. Puis aujourd'hui, on s'en va chercher le sapin. Je viens de laver mon chien, puis il gèle, fait que j'ai mis son manteau. Puis on s'en va de toute façon. Ok, c'est bon. Oh, il grelotte. Pauvre petite bête. Pourquoi tu grelottes encore, mon amour? Ok. Fait que c'est ça. J'ai choisi. Tu sais, je savais comme pas quel sapin choisir, la longueur et tout. Parce que, tu sais, j'en avais un déjà de 7,5 pieds. Puis. J'étais là, ici, ça va faire bizarre. Il va avoir l'air vraiment petit s'il est pas plus haut que les premières fenêtres. Fait que, écoute, je l'ai fait monter jusqu'à la deuxième fenêtre en haut. On a pris un 12 pieds. Je l'ai commandé ce matin. Fait que je m'en vais le chercher. Fait que les filles, je sais pas si ça va bien rentrer dans le coffre, si les filles sont là, je sais pas. Je vais vider mon auto, puis je vais faire de la place. Je vais aller chercher le sapin. Puis c'est ça. Les filles vont être vraiment, vraiment contentes. Surtout que les lumières, ben, ils se switchent dans le sens que tu peux les mettre toutes blanches, mais tu peux les mettre colorées. Fait que les filles, ils vont vraiment triper. Tu sais, je pense que c'est bien beau le décor, mais la fille rit du temps des fêtes, c'est pas juste du blanc puis du beige, hein? Fait que ils vont être bien contentes de ça, je pense. C'est quoi que maman l'a acheté, là? Un sapin. Est-ce qu'on est contentes? Oui. Il y a plein de lumières multicolores, Léna. Il vient d'arriver de la garderie, il est quand même de bonne heure, mais il fait noir tôt. Fait que on va essayer de sortir ça. On est fort? Oui, on est fort, mais on en est tout. On a enlevé le sapin tout seul. Oh. On vient de souper, on a mangé du spag, bien tranquille. Fait que là, je vais mettre les filles en pitch, puis moi aussi, je pense. Puis on va essayer de monter le sapin. Je sais pas si je vais être capable sans un escabeau. Parce que 12 pieds, je sais pas si que c'est comme deux fois la grandeur à mon chum. Fait que ça se que j'aille de la misère. Mais on va juste monter le sapin. Je pense qu'on va le décorer demain parce que honnêtement, juste monter ça, ça va être comme vraiment long, placer les branches, tout ça. Ok, ça va être un bon début. C'est quoi ton pyjama? Père Noël. Toi? Mon pyjama. Le Père Noël est en train de tomber dans la cheminée porter des cadeaux. Il va-tu venir dans la cheminée à nous, ici? Oui. Oui, hein? Oui. Puis là, on fait quoi? On fait des sapins. Le ça? Le sapin. Oui. C'était pas si simple que ça. On doit attacher le sapin à 7,5 pieds dans les airs avec une corde. Faut que même, c'est quoi? Ça peut pas être simple, non. Moi, je pensais, tu montes ça, clac, clac, clac. Un sapin qui se fait seul, ça se peut. Fait qu'on a des gros trucs pour attacher le sapin ensemble. Écoute, moi qui étais comme, ça va être plate ce vlog-là. Oh, tout le monde fait ça, faire son sapin dans les vlogmas, c'est incroyable. Non, non. Ça sera pas faire le sapin, ça va être comme, essaye de faire un sapin de 12 pieds, ok? Fait que, avec de la corde, j'ai même pas d'escabeau aussi. Bon, fait qu'on on va s'arranger. Il manque des morceaux, déjà, le chien, hein? Quoi, c'est si je veux l'attacher dans les airs aussi ou. Moi, je me rends pas au plafond, là. C'est quoi l'affaire?
ça? Ça sert à quoi ça? On va le savoir ensemble. So they're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Way up north, they're making toys for every little girl and boy who mailed in letters, 'cause they've been better, so much better than the year before. On est rendu à l'étape de l'attacher. J'ai eu de la misère à mettre le dernier, fait que je suis comme pas trop confiante pour les deux prochains. On est déjà rendu en haut de la porte d'attache. Troisième jour et le sapin est enfin terminé. Ça a été vraiment long le monter, honnêtement. Ça va être quelque chose de le démonter. Là, ça va prendre un escabeau, c'est sûr, parce que pour le top, je suis pas capable de mettre l'étoile, je suis pas capable de rien faire d'autre. Fait que, ouais, techniquement, ça prendrait une grosse escabeau. De toute façon, avec la maison qu'on a ici, on n'aura pas le choix de trier de ça éventuellement. Fait que c'est ça. Est-ce que je conseille le sapin 12 pieds? Oui, parce que c'est énormément, tellement beau. Mais non, en même temps, parce que ça m'a quand même pris une couple de jours pour tout finir. C'est ce que j'ai moins aimé. Toutes les boules viennent de chez Canadian Tire. J'en avais toutes mes blanches, dans le fond. Je les avais pris chez Canadian Tire dans les années précédentes. Puis cette année, j'ai racheté les colorés. Puis tout ce qui est les petits bouts, puis cette affaire-là, j'avais tout aussi pris ça chez Canadian Tire. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas. Mais sinon, je suis vraiment, vraiment fière de mon sapin. Je l'aime. Puis c'est super beau. Puis les filles sont super contentes. Avec la manette, ils changent les couleurs. Puis alors, moi, pour vrai, c'est mon mode préféré, celui-là. Fait que, ben, on se revoit demain!